Poupin! Hein? Rien, qu'est-ce qui est arrivé là? Écoute, c'est encore Félix, le gars des accessoires. Et c'est qu'il a fait encore, lui? Ben, c'est lui qui s'occupait du taser, puis là, au lieu de prendre l'accessoire qui ressemble au taser, il a pris le vrai taser. Ça fait que Michel, là, ben, il s'est fait électrocuter pour vrai. Donc, t'es pas sérieux, toi? Y a-tu quelqu'un qui a appelé une ambulance ou quelque chose? Oh non, ils s'en viennent. OK, y es-tu capable de parler? Ouf, pas bien, bien. J'ai l'impression que c'est le système nerveux qui a chié, là. Ah ouais? Oh oui, il parle pas, il bouge pas. Il entend-tu? Zéro. Nope. Il entend pas! Négatif! Oh, ça, c'est pas drôle, ça! Oui, parfait, donnez-moi 2 minutes. Hey, ça dérange-tu d'attendre l'ambulancier avec lui? Je retournerai sur le plateau, moi. Non, pas de problème, vas-y, je m'en occupe. Merci. OK, mon Michel, lâche pas. Eh boy, pas drôle, hein, mon chum? Eh, monsieur. Merde, qui bave tout. Attention. Hey. On n'a jamais été si proche. C'est chaud. Bon, OK. Là, je t'avertis, hein. Je vais pas aux toilettes avec toi. C'est hors de question que je te wipe le boulot. Tu vas oublier ça tout de suite. Là, tu m'entends-tu, toi, là, non? Hello? Non? Bon, ben c'est parfait parce que je pense que c'est le moment pour moi de te faire quelques confidences depuis le temps que j'attends ça. Par quoi je pourrais bien commencer? Oui. L'autre jour, je passais dans ta loge, j'ai pris ta brosse à dents, mais c'est un petit peu passé dans les fesses. Ah oui. Tu sais, ta sauce soya qui a été remplacée par de l'encre à imprimante, ça aussi, c'est moi, c'était mon idée, c'est drôle, hein? Ouais, ah oui, je suis passé par le local de la costumière, j'ai tout changé tes mensurations. C'est moi qui a fait ça. C'est pour ça que tu te retrouvais un petit peu serré dans tes pantalons, tes vestons. Puis moi, je te disais, ah ouais, Mike, maigris, t'es capable. Mais plus tu maigrissais, plus je continuais à changer tes mensurations. À part de ça, ah oui, bien, ta femme, avant que tu maries, j'ai eu une petite aventure avec elle, une affaire de rien, 2-3 mois. C'était très agréable, mais là, c'est terminé. Puis si j'étais toi, je ferais quand même passer des tests d'ADN à mes enfants, juste pour être sûr. Ah! Hein? Ha! Ha! Je le savais! De quoi, ça? Je le savais, la soirée, toi. Ça, c'est le 100$ le mieux investi de ma vie. Des désaveux, j'en ai eu. Asti, je pensais que t'étais un frère, mon chien fini. Hein? C'est ça, à toute fois que tu me donnais des petites tapes dans le dos, c'était pour voir si le couteau était pour bien rentrer, c'est ça? Laisse faire, toi. Hey! Oui, c'est moi! Non, non, laisse faire, tu vois que tu vas le prendre le temps pour me jaser. C'est quoi cette affaire-là d'aventure avec Chénier, Chris? Tu fais la face, il y a une fausse couche. Hey, je suis-tu le king pour mettre la merde, moi? Pas pire, ouais. Ouais, je remarque ça, là, tu l'as, là. Hey. Oh, comme convenu. Ben oui. 50%. Et voilà, c'est un plaisir de faire affaire avec vous, oui? Monsieur. Oh, ouais. Hey, la maison vous invite, prenez une coupe de crotte de fromage. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Ils sont fraîches en plus. Hein? Merci.